tu Tamandia Hakim Tutu, entrepreneur culturel. Et bonjour tout le monde, bonjour à l'Orné.com. La question est pertinente en disant, en se demandant pourquoi la petite colère a du plomb dans l'aile. On peut le dire qu'elle a du plomb dans l'aile. Pas parce qu'elle manque de talent ou de source de base. Nous avons une très bonne base. Mais quand vous avez de l'aile, il faut pouvoir voler avec. Et moi, on n'arrive pas à voler parce qu'il y a une compréhension de la chose que nous n'avons pas. Pour l'instant, en Afrique en général, la culture est encore considérée comme de l'amusement. De l'amusement pour le public, je suis d'accord, mais de l'amusement pour les acteurs, non. Ça doit être considéré d'abord comme un travail. À partir du moment où nous aurons cette vision, où nous pensons que ceci est un travail, donc une activité génératrice de revenus, et que ça doit nourrir son nom, nous devons nous prendre plus au sérieux, comme le mécanicien se prend au sérieux, comme le menuisier se prend au sérieux, comme l'avocat se prend au sérieux, comme l'architecte se prend au sérieux. J'ai toujours dit que la musique, ou la culture en général, est le métier le plus difficile, parce que vous n'êtes pas, vous faites pas, vous n'allez pas prendre pour venir déposer comme un commerçant, mais vous créez. Et créer, c'est difficile. Maintenant, nous avons des créateurs. Encore faudrait-il qu'ils créent pour s'adapter au marché. Ce que je veux dire, c'est qu'ils créent pour le marché pour lequel ils sont là. Un Togolais doit jouer de la musique d'abord pour l'Afrique et ensuite pour le monde francophone, avant de penser le monde francophone africain, bien sûr, avant de penser à l'Afrique en général. Mais quand vous êtes un rappeur, supposons africain francophone, et que vous allez rapper en anglais américain, bon, je pense que là, il y a déjà un problème. C'est ce genre de petits détails qui font que nous n'avançons pas. Donc, il faudrait commencer d'abord par revoir la mentalité, créer un marché. C'est un travail de prendre au sérieux, créer pour un marché. Après, il faut former ceux qui vendent aussi ce travail-là. L'acteur, l'artiste crée, c'est pas lui le vendeur. Il y a les managers, il y a les différents corps de métier qui sont chargés de ça, arriver avant ça. Mais d'abord, avant tout, voir ça comme un travail à tous les niveaux. Merci. Et voilà.